Oh mais vous avez changé la musique là, je suis super déçu. Bon ben bonsoir, bonjour les teams, nous sommes dans cette vidéo de Sonic Génération. Aujourd'hui nous allons partir sur un petit boss contre Metal Sonic. Affronte-moi si tu veux la Chaos Emerald. Ce qui est perturbant avec la VF, c'est qu'ils changent tout le temps le nom, genre des fois c'est Chaos Emerald, des fois c'est Emerald, des fois c'est Émeraude du Chaos. Et voilà, ce boss. Ah, par contre, un détail, hein. La musique, la musique de ce boss est beaucoup trop bien. Mais en fait, déjà de base, la musique est cool. Mais là, dans ce jeu, la musique est encore plus cool, vraiment. Avec ma voix, ça donne encore pire, donc c'est pas ouf, mais désolé, mais. Alors, on va essayer de le choper. Voilà. Par contre, le boss, lui, est pas super simple. Moi, j'ai un petit peu du mal. Donc, il y a des possibilités qu'il y ait des ellipses. Probablement les premières ellipses du... je vais peut-être reculer, moi. Parce que je sens pas bien. Parce que du coup, c'est un boss qui vient de Sonic CD. Et... ah, j'aurais pu le toucher. Ah non, je l'ai eu, c'est bon. Ouais, ça vient de Sonic CD. Et déjà, à l'époque, dans le let's play que j'avais fait, j'avais bien galéré à le faire, ce boss. Je crois que j'ai pris toute une soirée à le faire. Oula, faudrait peut-être que je me décale. Ah ouais, non, là c'était... Je me suis foutu des bâtons dans mes propres roues. Enfin, dans mes petites speed shoes, je dirais, tout simplement. Oula, par contre là c'est une phase que j'ai un petit peu plus du mal. J'imagine... je peux pas monter ? Bah si, je peux monter, mais il a préféré me frapper tout de suite. J'avoue que je comprends pas ce qui s'est passé là. Ok. Ça c'est cool. C'est vraiment cool. Ah, ce coup de pied, cette explosion, c'est... Voilà. De toute façon, ce jeu est un tas de ferraille. Il y a aucun respect pour Metal Sonic, purée. Tu as une Chaos Emerald. La légende dit que réunir les 7 provoquera l'apparition d'une mystérieuse force. Alors pour ma part, je vais prendre le Sonic moderne. Bon, on va pas tout le temps faire ça non plus. On va essayer de varier un petit peu. Histoire d'avoir des trucs différents. Ouais, bon, on va prendre le classique. Histoire de faire un petit truc un petit peu différent de ce qu'on avait. Alors, on va prendre ça au pif. Je sais pas ce que c'est, mais voilà. Alors, défi d'invincibilité. Obtient des objets invincibles pour battre la horde d'ennemis et arriver à temps. Bon, c'est ce qu'on va faire. Ah, je suis désolé, j'aurais vraiment voulu essayer de m'attarder sur toutes les missions, que ce soit classique ou moderne, mais vraiment, j'ai. C'est vraiment pour des raisons techniques de ne plus pouvoir utiliser la PlayStation 3. Donc voilà quoi. Mais bon. Je fais le minimum, j'imagine. C'est déjà bien, je suppose. C'est pas comme les gens qui font des let's play qui commencent un let's play de Mario 3D World et qui ne le terminent jamais après deux vidéos. Ah oui, je vise pas mal de personnes. Non, parce que je dis ça parce que en vrai, il y a plein de gens qui ont l'air. Des gens assez jeunes qui essayent de commencer le let's play et qui ont donc un avers média et qui commençaient à une époque quand la Switch n'existait pas encore et donc qui faisaient un let's play, qui commençaient des let's play de Super Mario 3D World et jamais ils continuaient après la deuxième vidéo. Et c'est dommage parce que je trouvais que même s'ils étaient un peu jeunes, ben ils avaient une bonne voix, je trouve. Alors du coup c'est dommage vraiment que des gens arrêtent, alors que moi je dis Il y a un possible potentiel. Mais bon, après, forcément, si tu essayes et que tu n'accroches pas à la chose, ben, c'est quelque chose que je ne juge pas, forcément. Hein. Je peux totalement comprendre. Allez, on va faire une petite rapidité, parce que j'aime bien la rapidité. Par contre, j'ai dit ça, mais à une certaine époque, je terminais jamais mes let's play. Moi aussi, donc voilà quoi. Enfin, je faisais... j'allais jusqu'à la moitié du jeu, puis j'arrêtais. C'est déjà arrivé.
Même récemment, mais faut pas le dire, faut pas le dire. Mais ouais. C'est comme si vous me dites, par exemple, si vous voulez que je regarde une de vos vidéos, je sais pas moi. Vous pouvez le dire, vous pouvez proposer. Juste, balancez pas le lien comme ça, comme un sauvage en mode. Faut pas mettre de lien parce que de toute façon YouTube va vous censurer. Alors je ne sais pas ce que Sonic a fait là actuellement, il a fait un truc bizarre. Alors il y a des chaussures, je ne sais pas ce que. Défi de turbo 200, t'ajoutes du turbo et double et accélère à bon escient. Non, j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de faire autre chose. Alors, qu'est-ce qu'il me propose Knuckles? Je ne sais pas. On va faire ça, j'imagine. Faites des ballons, serre-toi des ballons pour bondir plus haut et franchir l'arrivée. Oh, ça a l'air cool, j'aime bien les ballons. Et voilà, on va pouvoir tester ces petits ballons. Est-ce que en fait c'est le niveau de. Non, non. Oh, j'ai paniqué. J'ai eu super peur. Alors, je ne sais pas ce qui vient de se passer. Je ne sais pas ce qui vient de se passer. Mais on va faire comme si tout était normal. Tout est normal. Oula, oula. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai touché les gâchettes. Les gâchettes de la. De la. J'ai touché R2 et L2 pour me déplacer pendant un instant. Alors que. Je crois que c'est des touches qui sont même pas utilisées en fait. Ce qui est dommage en fait, ils auraient pu les mettre comme étant les touches L1 et R2 au cas où. Mais après, ça se comprend parce que c'est pour que les touches soient similaires à la. Oh, j'entends déjà la fin. Pour que les touches soient similaires à celles de la Xbox, si je dis pas de bêtises, et PC du coup. Donc, je crois que c'est à peu près les mêmes touches, même si dans les paramètres c'est une manette. Igman. J'aime les pattes. Alors. Non. Pff, alors là, bon, ce truc. Oh! D'accord. J'allais l'abandonner à son triste sort. Et là, il est venu vers moi. Ne m'abandonne pas, s'il te plaît. Voilà. Donc, on a. Je n'ai pas eu le temps de lire. Je suis désolé. Mais on va pouvoir ouvrir. Trouve 3 clés du portail de boss pour déverrouiller le portail du boss et affronter le boss. Je crois que j'ai jamais dit boss autant de fois dans une même phrase de toute ma vie. Mais bon, tu en reçois une en terminant un défi dans l'acte 1 ou 2. Reviens ici quand tu les auras récupérés. Mais je les ai récupérés. Ah oui, d'accord. No problemo. Allons. Entrer dans ce petit endroit. Le portail du boss est désormais ouvert. Fonce dedans pour affronter le boss. No problemo, on y va. Alors, ça a l'air d'être un acte 1. Donc, pour notre petit. Regarde-toi très attentivement, Sonic. Docteur Eggman? C'est la dernière chose que tu verras avant que je te ferme les yeux une bonne fois pour tout. Un autre Sonic? Quoi? Attends 2 secondes!
Alors, ce fameux boss que... qui m'a donné tellement de mauvais souvenirs, je crois que je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est justement, en fait, les mauvais souvenirs, c'est à cause justement de Sonic 2, en fait. C'est pour ça que ce boss m'a donné de mauvais souvenirs. J'ai quand même récupéré le petit ring. Ouh, j'aurais pu... Mince, j'aurais pu passer. Mais il y a un truc qui me surprend quand même avec ce jeu, c'est genre que les deux Sonic ne se sont même pas croisés une seule fois, alors que voilà quoi. Est-ce que je peux... Ah non, d'accord. Je ne peux pas, je n'ai pas le droit de toucher. Je crois que c'est ça qu'il faut faire, mais je suis pas sûr. Aïe, 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 je fais n'importe quoi, je fais n'importe quoi. Panique, panique, panique à bord, panique à bord. Non, c'était pas de la... J'ai pas eu le bon timing, j'ai l'impression. Comment je suis censé faire ça? Je sais qu'il y a un truc qu'il faut que je fasse avec les bombes, mais j'ai pas compris ce que je dois faire. Il est cassé? Non, non. J'avoue que là, je moi pas comprendre. D'accord. Ah oui, il est cassé, mais je peux pas l'atteindre. La tête d'œuf. Peut-être qu'il faut que j'esquive au dernier moment. Ah, voilà. Peut-être que là, c'est le bon moment. Non, s'il te plaît. Oh purée, mais il était beaucoup trop bas en fait. Enfin, beaucoup trop haut. D'accord. Là maintenant, ça devrait être bon, j'imagine. Et voilà. Je vous avais pas dit que je suis un joueur professionnel, voyons. Je suis un speedrunner. Je suis même un blue runner. Genre c'est les gens qui courent mais qui sont bleus. J'ai eu 14 en anglais au bac, je vous jure. Par contre en allemand j'ai eu 7. Pourquoi je peux pas récupérer les rings? Est-ce que c'est pour faire comme dans Sonic CD où on pouvait pas récupérer les rings? Enfin je crois. Je sais plus. Je vous avoue que je sais plus si on pouvait récupérer les rings dans Sonic CD. Bon, j'imagine que je vais aller là parce que ça marche. Voilà, j'imagine qu'on doit le faire encore une fois. Ah non. Deux fois était suffisant. Bon après on l'a touché quatre fois quand même donc... J'imagine que ça doit suffire. Non, c'était pas la meilleure des notes, mais ça va, un petit A. Quoi? Non! Non! Sonic! Sauve-moi! Je n'arrive pas à croire que je sois en double. Sonic, je crois que j'ai compris. Ouais, moi aussi. Des doubles de nous? Des lieux et des ennemis de notre passé? Nous voyageons à travers le temps et l'espace! Mais comment est-ce possible? Je crois que ça a quelque chose à voir avec ce gros truc qui vient de kidnapper Eggman. Ça ressemble à la chose qui vient de kidnapper tes amis. Je veux dire nos amis. Enfin, vous voyez ce que je veux dire.
Il faut qu'on retrouve cette chose, et en vitesse! Ah, il nous montre l'accès des prochains niveaux. Et en plus de ça, du boss. Alors, tu peux désormais accéder aux prochains lieux à explorer. D'accord. Donc, les prochaines étapes. Et à la prochaine Chaos Emerald aussi. Tu as une Chaos Emerald. On en a récupéré deux, donc. Il y a encore un chat qui miaule. Alors que j'en ai déjà deux sur les genoux. Ça va mal se finir, moi je vous le dis. Bon, mais en tout cas, c'est sur ce qu'on va se laisser. Alors, moi je vous dis bye tout le monde et portez-vous bien, petit mal. La prochaine fois, nous irons. Je sais plus qui où. Je sais plus quel est le nom du niveau, mais bon, c'est pas grave. Bon, bah en tout cas, c'est sur ce qu'on va se laisser. Alors, moi je vous dis bye tout le monde et portez-vous bien.